honnêtement que j'ai aucune chance. Mais... Donc là l'avantage, attendez, là c'est pas compliqué. Là j'ai tout ce qu'il fallait faire. J'arrive, faut que je me dépêche. Donc j'ai 6 minutes pour tous les démolir. Du moins en démolir la plus grosse partie. Peu qui me reste, je peux me les faire au mitrailleur. Relativement facilement en plus. Ok. Il m'en reste 3 sur le radar. Il me tourne tout le dos. Ok. Tire dessus. Ok, très bien. Ouais, bon, du... Ok. Bon. J'espère que là, les 6 minutes, en fait, c'était vraiment pour libérer le dessus, parce que de toute façon, là... Bon,
Oh oui, c'est ça. Ah, je vous emmerde. T'es survécu. Bon, je fais la moitié de mes... Visiblement. Voilà. Et là, on va récupérer le jetpack. Alors, le jetpack, honnêtement, dès le moment où on le récupère, je m'autorise le code à utiliser le jetpack. À peu près quand je veux. Mais pas excès non plus. Alors en plus, on va le regarder un petit peu parce que le jetpack, il a été remasterisé, j'ai vu sa texture, et nettement, waouh, voilà la texture du nouveau jetpack. Allez! Magie, c'est pourquoi? Ah, c'est pour... Oui, c'est pour se poser. Oui, bien sûr. Oui. J'ai vu magie, mais j'avais pas vu pourquoi. En fait, c'est pour se poser. Bon, et ben, on aura récupéré la mission du jetpack avec un échec, mais c'était de ma faute. J'avais pris beaucoup trop de temps. C'est de ma faute, hein, c'est de ma faute, je l'avoue complètement, il n'y a pas de souci. Et franchement, la sulfateuse au début, mais c'était trop cheaté. C'était beaucoup trop cheaté. D'accord, donc c'est là qu'il faut que j'aille.
here you go. You better stash it somewhere fast. Far out. Have a nice trip, dude. Hey, wait a... was it too much to ask to get a lift into town? Bon, allez, il y a une moto là. On... Alors, attendez, on va juste attendre d'avoir... Oula. Ok. D'avoir un appel. Voilà. Pour la suite. Mais là, de toute façon, ça va être... It's me, the truth. We got a date with Destiny, man. In about 5 minutes. Where you at? At the old airplane graveyard you've been hanging around. Ok. Ouais, non, on va prendre le... Voilà. La voiture de course. Faudrait qu'on se fasse les courses aussi. Je sais que les courses, elles sont... Wouhou ! Oula. Olé. On est où là? Ouais, sauf que le cimetière d'avion il est en contrebas. Allez, hop. Voilà. On va juste aller sauvegarder un petit coup. On va continuer. Quelle heure il est? Ouais, ok. Gringo. Damn, where is this fool? New age begins here. Say what? Not all fantastic things are lies, Carl. Today we'll know everything. Oh, I can hardly wait. I hear knowledge is truly sacred in this part of the world. Man, I've tried, but I can't fight for shit. You better do it. Land on the train, kill the guards, get in and steal the stuff. Oh, yeah? What stuff? I don't know yet. Oh, you don't know yet. I was starting to think you was a lunatic. What you mean you don't know yet? You'll be stealing the answer. Look, fly the jetpack, land on the train, and steal whatever they least want us to get. Shh. Listen. They're coming. We better go. Peace on Earth, dude. Bon. Ça va, il y a un train à voler. Bon, voilà, routine habituelle, quoi, j'ai envie de dire. D'accord, par contre, j'ai ces mitraillettes, là. J'avais pas les mitraillettes... J'ai plus mes mitraillettes que j'aime bien, là, que j'utilise d'habitude. Bon, dommage. Chambre illimité, enfin quasiment illimité. En réalité j'en ai plus de 10 000, hein, ça s'affiche pas, mais j'ai pas balles illimitées, hein, en réalité. Arrivé à un moment je vais retomber, il va y avoir des numéros qui vont se réafficher si j'arrête pas de tirer. Mais bon, même 10 000 balles, j'ai de quoi faire. Je suis mort. Bon, ok. Bah oui, c'était évident. Hein. C'était évident. Non, écoutez, oui, c'est cool comme mission, mais moi, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour cette session de tournage. Je dis au moins tourner pour.
probablement. 5, 6, 7... Oh oui, j'ai dû tourner au moins 3 épisodes. Là, ce soir. Donc, demain, ça m'étonnerait que je puisse tourner. Après-demain aussi. Peut-être dans 3 jours. Je pourrais peut-être retourner. Peut-être 2 épisodes dans 3 jours. Ouais, j'ai un emploi du temps un peu à trous en ce moment. Donc, bon, enfin bref. Voilà. Donc, et bah, sur ce, je vous dis. À plus tard. Peut-être à tout de suite, peut-être voilà. À plus tard. Alors rebonjour à tous. Alors vous, je sais que ça fait pour vous à peine une seconde qu'on s'est quitté. Pour moi, ça fait presque une semaine. Presque une semaine. Et en fait, j'ai réfléchi à un truc. On va faire autre chose. On va faire quelque chose avant. Oups. Alors, le plus proche Armination, apparemment, c'est celui-là. Donc, j'espère qu'il y a un stand de tir là-bas. Et vous avez deviné ce que je veux faire. Je veux voir si on peut dupliquer les balles du minigun, de la sulfateuse, pour pouvoir... Une simple rafale détruit quasiment tout. Enfin, c'est vraiment l'arme ultime du jeu. Sinon, je sais où en récupérer un autre, mais c'est pas forcément évident non plus. Donc on va juste d'abord essayer ça. C'est ça l'arme d'échelle ? Apparemment oui. On va voir s'il y a un stand de tir dans celui-ci, sinon on ira à un autre. On ira en... Non, celui-là n'a pas d'armes légères. Par contre, est-ce que je peux acheter des munitions pour le minigun? Non, parce que je veux... Pas de fusil de précision non plus. Pas de fusil d'assaut. Donc on peut pas dans l'Armination acheter ces armes. On va aller à celui qui est en face du. S'il te plaît. En face du. On va aller à celui-là. Celui-là, je suis quasiment sûr que c'est bon. Sinon, je sais qu'il y en a un au sud de... Au sud de... De Las Ventura. Mais qui n'est pas du tout évident à attraper. Et pareil, il ne contient que 200 balles. Donc il faut y aller, faut réussir à l'atteindre, faut sauvegarder, faut y retourner pour pouvoir dupliquer les balles. C'est vraiment pas évident. C'est un super parcours à faire et franchement, ils l'ont pas mis à un endroit facile. Ou alors faut utiliser le jetpack. C'est vrai que j'ai dit que maintenant qu'on avait récupéré le jetpack, je m'autoriserais éventuellement à l'utiliser pas de façon abusive, mais régulièrement. Bon, donc on va le prendre, le minigun, voilà. J'ai encore les lunettes. On n'a pas eu l'occasion de les essayer. Oh, c'est dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse. Mais c'est vrai qu'on voit mieux les... Non, tais-toi. Par contre, c'est vrai qu'on voit mieux les personnages, c'est bizarre, hein. Enfin, les ennemis. Par contre, je voudrais... Voilà. Derrière, derrière.
Non, franchement, c'est pique aux yeux. Je pensais avoir un truc vert, moi, comme... Tout le monde, enfin... Ça a pas dupliqué mes bacs, donc on est dans la merde. Je vérifie, hein, mais c'est pas fini. Non, ça a pas dupliqué mes bacs. On va aller régulièrement, on va aller juste là où je sais qu'il y en a un. Alors si ça a pas changé. J'ai un doute. Mince, j'ai un doute. Je crois que c'est là. C'est dans ce quartier-là. Ou c'est celui-là. Bon. Alors, je me souviens bien, c'est un échafaudage. C'est ça, c'est ce truc-là là-bas. C'est... Moi qui fume comme ça? Oh purée, le bug est sur moi. La malédiction du bug est sur moi. Alors ça va pas être fun. Ah oh, j'y crois pas. Ah oh, la malédiction du fumigène. C'est bizarre, à l'aventure ça fait ça. Alors, ouais, il est là-bas. Alors, je vais vous montrer rapidement avec le des lunettes. Voilà, il est là-bas. Donc, on va essayer de le faire en légit une fois. Je vais mettre avec le point. Donc. Normalement. Oups, d'accord, ok. Ça commence à voir. Faut se mettre là. Et sauter. Ok. Donc là. Voilà. Ensuite. Faut se mettre. Faut se mettre à peu près là. Et sauter. Ouais. Je suis pas encore. Alors. Faut se ralentir un peu. Tour. Sauter. Ah. Bon, on s'y approche. Ça va, c'est plus facile. Je trouve que c'est plus facile avec cette version là qu'avant. Non, il a pas voulu. Enfin, j'aurais pu faire aussi dans ce sens là. Et, hey. Et donc là. 166. Voilà, voilà. C'est comme ça qu'on fait, nous. Alors, sinon, je vois pas comment on peut faire. À moins qu'en fait, il faut faire tout le tour. Et en fait, ça se réduit à chaque fois. Putain, ouais, ça a l'air d'être ça. Quoique non. Non, non, c'est pas ça. Bon. Bon. J'ai perdu un peu de vie. Mais voilà. C'est fait. Ah, le pistolet... Le... Non, non, il se duplique pas le sursu. Bon. Maintenant qu'on a récupéré un petit peu de balles de... De sursu.
fateuse, on va retourner à notre mission. Allez, bon. Enfin, le tour du père. Je vous retrouve à la mission dans un instant. Bien, donc, on se retrouve. Je viens de re-sauvegarder à nouveau, parce que voilà. On a déjà vu la cinématique. Donc là, on part pour le train. Hop. Parce qu'on prend un peu d'altitude. Donc on marche avec le jetpack aussi, c'est assez sympa. Vraiment l'impression de marcher vite. D'accord, je suis obligé de toute façon. Ok, très bien. Que je suis déjà mort. Excusez-moi. J'aurais dû aussi mettre à jour l'autre sauvegarde. Bon, ça fait rien. Oula, attendez, excusez-moi. Voilà. Ok, je sais pas ce que ça a donné à votre écran. Ouais, moi j'ai un petit souci de connexion avec mon écran. Je sais pas d'où ça vient, mais parfois j'ai mon écran qui saute. Attendez, je vais juste voir ce que ça donne à votre écran. Dans l'enregistrement. Ok, donc je viens de vérifier, vous avez absolument rien vu. Hein, mais moi en fait j'ai comme... comme quand l'écran est... Enfin pas comme quand l'écran est cassé, mais en fait l'écran devient blanc avec des lignes. Vertical et ça clignote un peu donc ouais comme s'il y avait eu un coup dans l'écran mais bon il y a rien enfin je veux dire enfin mon en fait c'est la connectique de mon écran qui est je sais pas qui est à moitié débranché à mon avis enfin qui a un faux contact c'est pas dramatique faudrait le démonter, enfin faudrait que je l'emmène au SAV. Mais il est plus sous garantie, donc enfin voilà. Pour le moment je fais durer. Mais c'est une petite panne, c'est trop fort rien. C'est pas ça qui va faire perdre mes données, qui va me faire perdre ces trucs-là. Donc il n'y a pas de risque. Et c'est un petit souci que j'ai de temps en temps. C'est dès que j'ouvre, parce que je suis sur un PC portable. Hein. Du jeu tactile et donc évidemment j'ai parfois ce genre de petits problèmes. Bon, vous changez ma vie.
Ok, bon. Oula. D'accord, ok. Bon, désolé, j'ai encore utilisé le cheat hein, pour la vie, mais là... là, je voulais pas échouer la mission une quatrième fois... troisième fois ou quatrième fois, je sais plus, je vais pas compter. Pour rien. Voilà, on va juste ramener ça à True. À Air True. Je tape la fin de la cinématique. J'essaie de me poser pile poil. Non, ça le fait pas. Got it, man? I got something. Let me see. Ooh, everything is different now. What is it? Everything. They will call this Year Zero. I'll be in touch. Wait! What is... Yeah, see you around. Try, I know it. Rosenberg? Yeah, soon to be wearing concrete shoes in a shallow grave in the desert, Rosenberg. I'm surprised you remember. Look, I ain't forgot y'all, man. Just hang in there. Easy for you to say. This Salvatore guy might whack me at any moment. Bon. Voilà. Et donc, on a ces deux lards-là là, qui apparaissent. Hein. Ok, et eh ben on a le jetpack. Et là, il est en légit, hein. Il est totalement légit. Attendez, je vais chercher un truc. Non, non, c'est bon. On va sauvegarder juste devant le Caligula, parce que visiblement c'est au Caligula. Ah voilà, c'est ça dont je vous parlais. Attendez, on va juste faire un petit tour là-bas. Non, c'est pas celui-là. Si si c'est ça, ouais si c'est. Ils l'ont. C'est parce qu'il faut s'approcher pour voir la nouvelle. Mais ouais, sur cette version remasterisée. Voilà, ils ont mis le Montecito. Qui... Franchement, je kiffe la référence quoi, parce que... Enfin, je sais pas s'il existe en vrai. À mon avis, il existe en vrai. Enfin, le casino existe en vrai, ça c'est. Enfin le. Je sais pas ce qu'il s'appelle le Montecito en vrai. Ou si c'était vraiment que pour la série. Mais clairement, ouais, faut que je la revoie, c'est sûr. Oh non, il a disparu. Bon, ça fait voilà. Ça va, c'est juste pour aller en face. Ah bah,
Là, il a disparu pour de vrai. Là, c'est sûr. Bah, il réapparaît à la... À l'aéroport, enfin notre piste d'atterrissage. Just feel the weight of the weapon, sweetheart. I can feel the weight of someone's weapon. Hey, you're the one to blame on that front. Can I fucking go now or fucking what? Ooh, you fucking twat! Right in the fucking happy sack! Perhaps you'll be cured of your little antisocial condition, mate. Carl! My man, Mr. Leon. Looks like this piece of shit was right. You did a real number on those Ferrelli losers. Now it's time the Ferrellis found out what it means to screw with Salvatore Leone. How would you like to hit the St. Mark's Bistro? A hit in Liberty City? Cool, but I'm gonna need some backup. Take who you want. Well, I usually use these two. Hey, remember all those jobs we did together? Huh? You and me, Carl, remember? Huh? You know, you used to call me Killer Ken. Ken the Killer? Killer? Ice Cold Ken. That's me. And him too, I guess. All right, you guys better get out of Los Venturas fast. I'll be in touch. What about your backup, man? You'd be all right without us? Of course he will, you fucking moron! Come on! Bon, à l'aéroport. Ah, écoutez, hein. On l'a. Parfois j'ai l'impression qu'il est... Enfin oui, de toute façon il est moins rapide que la voiture de course. Donc pour les longs trajets, on utilisera la voiture de course. Ah oui, c'est la fameuse mission pour Liberty City. Ouais. Où ? On nous en fait deux. D'accord, alors lui par contre quand il tourne il fait pas semblant. Hein. Donc. J'ai l'impression que c'est un poil haut. Oui, pour changer le mode caméra, ouais mais non merci. Je vais diminuer un peu parce que visiblement c'est plus bas. Attention à pas heurter le... Fasse attention juste à pas heurter l'eau. Je suis vraiment... Normalement je suis juste à la nuit. Puis en plus on voit pas bien la différence entre l'eau et le ciel là. Ouais, en fait, c'était un grand rayon, donc ça va. Bon, ben, Liberty City. Private function, invitation only. Oh, yeah? Alors, ça, c'est une autre chose. Thank you.
Ça, c'est nickel, ça. Vache. Bon, j'espère avoir un bonus de vie quelque part. Tiens-tu, non? Ah non. Anti-moustique, toi. Ok. On va taper du nez, s'il te plaît. Pas tant que ça. C'est bon, on est bon. Juste tourner un peu. On va en dessous du bon niveau. Okay. This is flight CJ-101 out of Liberty City, requesting final approach to Los Venturas International. Over. Donc, faut juste que je le prenne bien. J'arrive vraiment pas assez... Bon. C'est juste l'atterrissage. Je suis sur un mauvais angle. J'arrive pas perpendiculairement à la piste, ce qui est pas bon. C'est bon, normalement. Je suis bon. Thank you.
Alors, on va juste s'y retourner rapidement. Donc c'était ce truc-là ou ce truc-là? Je sais même plus. Oh putain, le nom du quartier. Abusé. Donc putain, c'était par là. Entre deux, on va les sauvegarder. Je vais sauvegarder ici. Et après, on ira faire la mission là, bah, juste à côté. Carl, what's up? It's your brother. Hey, what's up, man? You okay? Not really. I'm stuck in a cell between two lunatics. And people keep trying to jump me. This shit ain't cool, partner. You looking after Kendall? Nah, she looking after me. Right, right. That's cool. I'ma get you out of there, though, man. Oh, you ain't nigga. You think you are. I'm in for life. I guess I've grown used to it now. No, you not, man. I'm working shit out. Whatever it takes. That's a negative. I'm through hoping. Have a nice life, brother. Hold on, man. I'm getting shit worked out for you. Just hang in there. Sweet. Sweet. Shit. Ok, bon, il a disparu. On va juste aller récupérer encore 200 balles de... Ah, excusez-moi. Coup de téléphone, j'arrive. J'ai pas compris, j'ai reçu un numéro de téléphone à 12 chiffres. J'ai pas compris. Bon, bon bref, puis y avait rien au bout. Enfin bref. Bon. Non, je déconne pas, il y a 12 chiffres au numéro qui m'a appelé. Bon. C'est la première fois que je vois ça. Allez, on va aller récupérer le bousin. Non, attendez, je te tue. Allez, s'il te plaît. Con. CJ, voilà. Donc là, on en a récupéré 200 de plus. C'est plutôt cool. On va re-sauvegarder un coup histoire de. Je me doutais qu'on recevra un autre appel. Je sais pas pourquoi. Hello? Hey, Carl, my boy. Mr. Leon. Everybody's talking about the job you did on that same Mark's Bistro. Thank you, Mr. Leon. And you, you took care of those three loose ends? Yeah, those poor saps ran into a little trouble along the way. You won't be hearing from Mr. Rosenberg again. Good boy, good boy. Now listen. You're gonna have to keep a low profile or people will start to make connections. So let's keep our distance for a while, huh? I'll call you. Thank you, Mr. Leone. Si ça c'est pas de la chance, je sais pas ce que c'est, n'empêche au niveau du scénario. Bon, j'ai 300 balles de minigun, le problème... Ah, attendez, j'ai un doute, mais... Oh, c'est pas vrai.
Hello? Hey, CJ, what's up with you? Are we doing this heist or have you gone soft on me again? Hey, shit. Them fools been shipped out of the Venturas. Salvatore think I'm cool, so what's up? I'll meet you back at the drag. Okay, cool. Later. Alors, juste vérifier un truc. Non, c'est bien ce qui me semblait, je peux pas sprinter avec le minigun dans les mains. Donc on va garder ça pour le moment. Et pareil, j'ai ça alors que moi ce que je préfère c'est les mitraillettes. Et c'est les mêmes balles qui vont dedans. Hein. Donc j'aurais besoin juste de racheter une mitraillette et puis... Bon, enfin bref. Parce que le Tech 9 est moins... Ça c'est un Tech 9, il est moins précis. Don't hate the little man cause he's packing the six shooter. Next. Thank you. Thank you. Thank you. Do you know how much balls it takes to stand down here and sing a song like that? It takes guts. I'm sorry. We're just looking for something with a little more mass appeal. What could have more mass appeal than a song like Small but Perfectly Formed? Women want me. Men want to be like me. Assholes. Oh. Gotta be kidding me, right? Damn. This casino game is hard work. I thought it was just a case of opening the doors and letting suckers give you their money. If only. You know what? I'm getting bored here. I'm trying to do business, not audition midgets. People of reduced stature, you mean? Yeah, yeah, I said that. All I know is when are we gonna get some real talent in here? I heard that. Mad Dog. CJ. Clean, dude. That's good news, man. Hey, what's cracking? You ready to take it to the stage again? Easy, CJ. Come on, man. One step at a time, you know? I'm almost ready, but... But what? I want to go home now, CJ. That's cool, man. I'll take you. Where's home? My mansion, baby. Yeah, I heard about that place. Drugs, sex, all that shit. Yeah, you know it. Yeah, but... yeah, I've been there. I mean, I've seen it on TV. Yeah. Nice crib. Thanks, player. We could do with a place like that to set up in the LS again. Wait for sweet. Mmm. Get things moving. Get out this midget game. But CJ, come on, man. What? I saved your life, man. My mansion ain't big enough. Only got 19 bedrooms, you heard? Alright, man. My mansion's been seized. IRS? Nah, not exactly. Who? Nobody. Who, Mad Dog? I, Big Papa. Big Papa? The drug dealer? Man, you got your multi-million-dollar mansion to a motherfucking pusher? You know, CJ, these things happen. I was powerless. You fucking degenerate? Oh, man. How much blow can one guy snort? It's not my fault, CJ. Man, I should have let you jump. Come with me, all of you. We all going home. Bien. Ah oui, on va récupérer la maison à Mad Dog. Voilà. Ah, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Kendall, what's up? Nothing, just thought I'd wish you luck. We're gonna drive back to San Fierro first. Wanna check things out there before we hook up with you guys in Los Santos. Alright, cool. You be careful. I'll be fine. I got Caesar and Mad Dog to keep me safe. You be careful. Oh, I will. I'll see you in Los Santos. Me and you gonna go in to clear the place out. Good idea. The element of surprise. So the rest of the crew can move in peace. Ah, je me souviens pas qu'on avait les mecs de Woozy avec nous. Ah, ils ont changé. Avant c'était Hollywood, là maintenant c'est Hollywood, c'est vraiment le vrai logo. Putain, ils ont vraiment tout modifié pour remettre des vrais trucs hein, en plus. Hein. Putain, pour cette version remasterisée, franchement. À mon avis, c'est des modes. C'est des modes de joueurs plus qu'autre chose. Parce qu'ils ont pas pu avoir les droits. Enfin si, peut-être qu'ils ont eu les droits en fait d'utiliser les vraies marques.
ils ont eu les sponsors, hein, j'en sais rien. Parce que c'est vrai que les pubs Coca-Cola, les trucs comme ça, normalement, il n'y avait pas dans... Oh, GG, mec! You ever jumped before? Nah, you? Nah. When we land, we're gonna feel invincible. I am invincible! Hey, wait up! Oui, alors, à chaque fois, c'est pas intuitif, je trouve, ça, le... c'est ce truc-là, hein, c'est le... Non, c'est ça. Ouais, c'est ça.